Joli victoire que tu nous as fait là, mon petit Pierre. Félicitations. Dommage que t'étais censé la perdre, celle-là. Tiens, il y a un truc que je comprends pas avec toi. Le contrat était simple pourtant. Tu joues, tu cours, tu perds, et tout le monde est un gagnant. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été trop gourmand. Hein? Et papa Joe, il aime pas ça, les gourmands. Non mais, c'est pas de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute, mon chou. C'est la faute de qui, alors, hein? Vous comprenez pas. On se va chercher le morceau, bordel! Comme tu peux le voir, cette situation nous rend tous un petit peu nerveux, n'est-ce pas? Donc, ce que je te propose, c'est... Soit tu nous dis maintenant pour qui tu bosses, soit on t'aide un peu. Ou peut-être qu'on se trompe et t'as rien pu faire. Ouais, peut-être qu'on s'emballe, ouais. Mais je me souviens plus. Ouais. Oh, tu sais plus. T'as perdu la mémoire? Ah! Ça te revient, la grille? Qu'est-ce que tu fais? À quoi, tu te dégonfles, chérie? Ah non, mais c'est pas ça, mais tant qu'à faire... Autant faire les choses bien. Dans les règles de l'art. Proprement. Toute simplicité. Bon. Toujours rien. Alors, toujours rien? Non? Bien les gars, s'il te plaît, j'ai les mains prises. On en est où, mon gars? Oui, on va dire que tiens-moi ça, toi. Non, non, tiens, non, non. Mais bien sûr. Ouais, c'est Franck. Non, juste des questions, c'est... Maintenant? Ok, oh. Il nous en revient, hein. Ah non, pas cette fois! On était à ça de faire craquer à ça! Qui a passé 2 semaines dans une carcelle pourrie à surveiller? 3 heures en plein cagnard! Pour qu'ils nous reprennent quand on a craché le morceau? Va parler! Kat! Ça se rattrape, ça. Il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a? T'as fait des études de médecine, peut-être? Pour qu'il se prend le... Il arrive, il nous fout 2 semaines de boulot en l'air. Il nous fout dans la merde jusque-là. C'est un boulet humain, ce... Mais pourquoi tu m'obliges à me coltiner un crétin pareil? Ce crétin, c'est mon frère. Donc maintenant, que tu veuilles ou non, il est dans la bombe. Tu pourrais parler mieux, ok? Toi, fais gaffe, hein, t'as fait assez de conneries. On a plus de cible, pas d'aveu, encore sur les bras. Et merci qui? De quoi? Moi, ça fait 2 jours que je suis là. Moi, je fais que suivre les ordres, hein. C'est pas ma faute, hein. Alors, je vais pas réparer vos problèmes, ok? Non. Nos problèmes? Nos problèmes? Tu vas voir quand l'homme de Papa Joe va arriver là, avec le canard dans le salon, si c'est nos problèmes. Reste au calme! Bon.
Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ce truc. Des suggestions? Bah, on pourrait l'enterrer. Trop risqué. Si on le brûle. Ouais, mais on va piller pendant 2 semaines. Mais c'est bon. On le donne aux cochons, sinon. Aux cochons? Enfin, aux chevaux, quoi. Bon, ok. Et sinon, on le jette dans un lac. Ouais, mais il rentre pas dans le coffre. C'est quoi la dimension de ton coffre? 8 morceaux, ça rentre. Monsieur Armand. Bon alors les enfants, je viens récupérer le colis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pousse-toi, fiston. J'espère que vous avez une bonne explication. Hein. On a merdé, voilà la vérité. On a essayé de...